Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode exceptionnel du 5 des experts. Je suis Sébastien, directeur d'agence Société Générale. Et je suis Doria, directrice d'agence Société Marseillaise de Crédit. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous vous posez sur le rapprochement des banques du groupe Crédit du Nord avec Société Générale. Et en particulier, celles concernant votre compte bancaire, vos moyens de paiement et aussi votre agence ou votre conseiller. On commence tout de suite avec la question de Magali. À partir de quand je deviens client de la nouvelle banque ? Alors Magali, que vous soyez client du groupe Crédit du Nord ou Société Générale, vous deviendrez tous clients de la nouvelle banque SG à partir du 1er janvier 2023, date de la fusion de nos deux réseaux bancaires. Pour les clients Société Générale, cela se matérialisera d'abord par l'accès au nouveau site et à la nouvelle appli SG. Pour les clients du groupe Crédit du Nord, vous ne verrez de changement concret qu'à partir du rapprochement informatique de nos réseaux au cours du premier semestre 2023. La date exacte vous sera communiquée un mois avant. Vous recevrez alors vos nouvelles coordonnées bancaires, le fameux RIB ou IBAN, ainsi que les identifiants pour accéder à votre banque en ligne. Est-ce que je vais devoir changer de RIB ? Si vous êtes client Société Générale, vous conservez votre RIB actuel. En revanche, les RIB des clients du groupe Crédit du Nord changeront courant 2023. Mais rassurez-vous, le moment venu, vous recevrez automatiquement votre nouveau RIB et il sera également disponible sur votre espace client ainsi que sur l'appli. La bonne nouvelle, c'est que ce nouveau RIB est invariant. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus à en changer à l'avenir si vous déménagez et transférez votre compte dans une nouvelle agence SG. Mes prélèvements automatiques sont-ils toujours valables ? Oui Benoît, vous n'avez rien à faire. En tout cas, si vous êtes client Société Générale, parce que votre numéro de compte ne change pas. Et si vous êtes client du groupe Crédit du Nord, nous nous chargeons de transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires aux principaux émetteurs qui prélèvent sur votre compte. Toutefois, s'il ne s'agit pas d'un grand émetteur national comme EDF ou Orange, il se peut que vous ayez à communiquer vous-même vos nouvelles coordonnées bancaires. Mon agence va-t-elle fermer ? Ce que je peux vous dire, Justine, c'est que la plupart des agences vont rester ouvertes. Et si votre agence doit fermer, vous en serez informé 2 mois avant. Ce sera pour nous l'occasion de vous présenter votre nouvelle agence, ses horaires et ses services. Effectivement, certaines agences seront regroupées, comme par exemple 2 agences qui seraient très proches physiquement l'une de l'autre. En tout cas, il y aura toujours une agence de la nouvelle banque SG dans les villes où des agences du groupe Crédit du Nord ou Société Générale sont déjà présentes. Vous aurez donc toujours une agence à proximité. Mon conseiller bancaire va-t-il changer ? Dans la grande majorité des cas, que vous soyez client du groupe Crédit du Nord ou Société Générale, vous allez conserver votre interlocuteur actuel. Si votre conseiller est amené à changer de fonction, vous en serez informé comme nous le faisons habituellement. Est-ce que je peux me rendre sans distinction dans une agence Société Générale ou du groupe Crédit du Nord ? Vous pourrez réaliser toutes vos opérations dans l'ensemble des agences du nouveau réseau SG au cours du premier semestre 2023, après le rapprochement informatique des deux réseaux. Et en attendant, vous continuez de traiter vos opérations comme vous le faites actuellement dans votre agence habituelle. Mon conseiller sera-t-il toujours disponible au même numéro de téléphone ? Jusqu'au rapprochement informatique des deux réseaux, rien ne change. Vous pouvez joindre vos interlocuteurs habituels au même numéro. Après le rapprochement, certains changements de numéro de téléphone ou d'adresse électronique seront sans doute nécessaires. Bien évidemment, nous aurons pris soin de vous en informer avant. Ma carte va-t-elle changer ? Non Karim, vous allez conserver votre carte bancaire. Le changement se fera naturellement à l'expiration de votre carte actuelle. Une précision côté groupe Crédit du Nord, toutes les cartes seront renouvelées au logo de votre nouvelle banque au plus tard en septembre 2023. Et vous la recevrez chez vous, comme d'habitude. L'application pour suivre mes comptes va-t-elle changer ? Oui Franck, tous les clients de la nouvelle banque bénéficieront de la même application mobile. La nouvelle application SG est l'une des meilleures du marché. Elle est notée 4,7 sur 5 par les utilisateurs sur l'App Store qui apprécient sa simplicité d'utilisation et ses services. Pour les clients Société Générale, vous découvrirez son nouveau look début janvier quand vous vous connecterez. Côté Crédit du Nord, nous vous informerons dès que vous pourrez télécharger cette nouvelle application mobile sur l'App Store ou le Google Play Store. Vous recevrez un nouvel identifiant pour vous connecter et conserverez le même code secret qu'actuellement. Je suis client BFM, que va-t-il se passer pour moi ? Le partenariat Banque Française Mutualiste avec SG existe toujours. Tous les avantages dont vous bénéficiez en tant qu'agent du secteur public restent donc valables. Et c'est une bonne nouvelle pour les agents du secteur public clients du groupe Crédit du Nord.
ils pourront bénéficier eux aussi très prochainement des avantages de ce partenariat. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous commencez à avoir les idées plus claires sur le regroupement des banques du groupe Crédit du Nord et Société Générale. Nous sommes vraiment très heureux et impatients de vous accueillir chez SG. Et si vous vous posez encore des questions sur cette nouvelle banque, sur ce que vont devenir votre épargne, vos crédits ou vos assurances, nous vous invitons à regarder les autres vidéos du 5 des experts. À très bientôt.